le passé. Ça fuit en avant vers une nouvelle destinée. Samir, Syrien, c'est juste un petit mot pour ton identité. Samir, Syrien, ne s'était passé, tu serais encore là-bas. Samir, Syrien, de toute petite lettre, de grande inutilité. Samir, Syrien, ne t'avait blessé, tu serais pas là. Samir est un jeune homme qui habitait chez son oncle et sa tante, dans un tout petit village, en haut d'une montagne. Après quelques instants de marche, ils sont sortis de dessous la forêt. Le soleil était resplendissant. Des oiseaux chantaient dans les arbres, et il y avait le grand fleuve qui coulait. La jeune femme s'est approchée de l'eau, elle a laissé tomber son bâton. Elle s'est retournée vers lui, et lui, c'est à ce moment-là qu'il l'a reconnue. Il s'est approché d'elle, avec un sourire, et il l'a enlacée. Tumbai, 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 digi dom, digi dom, digi digi dom, tra la la la, tra la la la, tra la 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 la. Dans une gare, deux hommes qui se connaissent, mais ne s'apprécient guère, se rencontrent. Et le premier demande au deuxième, où allez-vous très cher? Moi, je vais à Minsk. Fourbe à l'esprit tordu, menteur, tu me dis que tu vas à Minsk pour me faire croire que tu vas à Pinsk. Mais moi, je sais très bien la vérité. La vérité, c'est que tu vas à Minsk. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, quel est ce drôle de personnage qui nous raconte des histoires. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, j'ai vraiment beaucoup de mal à le croire.